J'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. On est lundi 17 janvier. Vous allez peut-être entendre des notifications de mon téléphone. Je suis désolée. C'est Discord. Voilà. Et du coup, je venais parce que j'ai eu une réception aujourd'hui que j'ai ouvert sur Insta. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller me suivre. Mon Insta est dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà. Je vous prends quand même plus tard que je pensais. Il est midi 45. Midi 45. J'ai fait plein de choses du matin. Du coup, voilà. Et là, du coup, je viens vous parler. Du coup, j'ai reçu... Des cales de Amélie CHTR. C'est un tout petit machin, regardez, tout petit machin. Il fait 100 quelque chose, 109 pages. Ouais, le remerciement, ils font 107. Voilà, c'était trop petit. J'aurais dû mettre celui-là dans ma palle de défi. J'aurais été très vite à lui, voilà. Mais non, je ne l'ai pas mis parce que je ne l'avais pas déjà. Il me tente beaucoup, beaucoup. J'ai lu le résumé tantôt. Mais... Ah ouais, c'est deux célèbres youtubeurs adaptent un Uber ont un peu de poids commune en dehors de leur passion. Voilà. Du coup, ça me tentait bien parce que c'est deux youtubeurs. Pourquoi pas me tenter et vous recommander après. C'est un tout petit. Par contre, je crois que c'est un... C'est une auteure, un roman, tout l'univers. Mais c'est pas un... Je sais pas comment on dit. Il n'y a pas de maison d'édition sur celui-là. Et puis, celui que j'ai craqué... Non, ça c'est pas ça, c'est celui que je lis. Celui que j'ai craqué et c'est le premier dans ma palle. Mais je pensais pas aussi gros quand même. Galiopée, le tome 1, c'est le sacrifice d'une princesse chez Black King. Et c'est je sais pas comment ça se dit. Du coup, pour pas corcher le nom, je ne vais pas le dire. Mais je trouve trop beau la couverture avec sa robe très sexy, je trouve. Voilà. J'ai entendu parler de bons avis. Voilà. Et je le vois passer partout et j'aime beaucoup les... si je ne vous mets pas la bonne... Les débuts de chapitre, ils sont trop beaux. Et c'est dans un monde où les femmes sont plus que esclaves, que les épouses. Elles ne... Et elle est toutefois heureuse de retrouver l'univers à son premier amour. Mais quelle vie est cruelle. La guerre change les hommes. Voilà, la guerre change les hommes. Voilà, je ne sais pas plus. J'ai pas envie de me plonger dans plus dans le résumé dans celui-ci. Mais il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ces deux-là vont pas trop traîner dans ma palle parce qu'ils m'ont trop envie de les lire. Même si ça va être pour un moment. J'ai mon petit chat qui est en train de me tuer ma palle. Bon, sur ce, je vous avais dit la semaine passée dans le résumé que j'ai terminé un livre. Je suis dans le deuxième. Que j'avance pas mal, mais pas assez vite à mon goût. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Dans celui-ci, je sais pas combien il y a de saisons. C'est le tome 1. Je n'ai pas marqué tome 1. Si, là, il y a un trèfle qui dit 1. Voilà. Je suis bête aussi, il est marqué là 1. Je ne sais pas combien il y en a. Il faudrait que je regarde. Je vais peut-être regarder après. Je suis au chapitre 21 et ça fait la page 161. Voilà, j'aime beaucoup. On va suivre un jeune papa d'une petite fille de 6 ans, si je dis pas de bêtises, sur l'âge, j'ai un doute sur l'âge. Bon, je crois que c'est 6 ou 5 ans. Et qui a difficulté à venir un petit peu aux besoins de sa fille. Enfin, sa fille, non. En fait, il arrive des petits trucs comme tout le monde peut arriver dans notre monde à nous, avoir des problèmes d'argent. Et il va se retrouver avec
pas d'électricité à un moment, du coup il va aller vivre chez son frère. Et il va faire plusieurs petits boulots, mais à un moment il y en a marre, et ça je vous dis pas. Mais j'aime beaucoup l'histoire des personnages qu'on suit. C'est touchant. Le papa, il est tellement touchant, mais touchant, touchant. Il se passe un truc avec l'école de la petite. Mais il se bat pour elle, il vit pour elle. C'est bien un bien et un mal, parce que voilà, il faut qu'il pense aussi un petit peu à lui quand même. Parce que voilà, c'est la vie, il faut qu'il pense aussi. Mais j'aime beaucoup l'histoire qu'on suit, le papa qui se débrouille, qui essaye de faire tout son possible pour avoir une vie bien pour sa fille, pour son frère aussi, pour les gens qu'il rencontre. C'est quelqu'un très 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 doux. Pourtant, il a l'air très bagarreur dans l'écriture. Hein, je parle du personnage. Il est décrit comme, enfin pas décrit, mais un ressenti que moi je ressens comme un peu bagarreur, mais il est doux à l'intérieur. C'est un petit, voilà. J'aime beaucoup. Je vais essayer de le terminer cette semaine. Voilà, j'ai l'autre qui va faire des siennes parce que je filme à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, du coup j'aime beaucoup 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 cette histoire et j'ai trop envie de me plonger dedans. Voilà, du coup je pense pas traîner. Ce matin je me suis levée, excusez-moi, mais j'ai un truc qui gratte dans ma gorge. Je me suis levée pas tard, pas trop tard, je me suis levée qu'il était 7h15. Je pense qu'il était 7h15, hein, je me suis levée. Je me suis mise dans mon fauteuil, là vous voyez mes coussins, là plutôt là vous voyez mon coussin. Je me suis mise là jusqu'à 9h30, j'ai bouquiné. J'ai bien avancé grâce à ça. J'ai lu. Les chapitres sont courts, ça c'est chouette. Parce que tantôt, il était 9h30, je dis, oh punaise, je suis dans un nouveau chapitre. J'ai pas envie d'arrêter dans le milieu du chapitre, même si ça me dérange pas d'arrêter dans un milieu du chapitre. Vous le savez. Mais là, j'ai vraiment pas envie d'arrêter dans le milieu du chapitre. Et du coup, j'ai regardé, il faisait 2 pages. Du coup, je dis, bah, je vais virer les 2 pages. Et puis, je vais m'y mettre. Et c'est ce que je fais. Vous allez peut-être entendre. J'ai la machine qui va. J'ai fait déjà plein de choses. Je suis trop contente. Ma journée c'est commence, enfin, est bien commencée. Je viens de sortir de ma petite douche parce que au matin j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Du coup là, je me suis dit, là j'ai un coup de mou. J'avais faim à 11h. J'ai mangé à 11h. J'ai regardé un truc. C'est comment? Chicago Med. Voilà, j'ai regardé Chicago Med. C'est une série. Et en même temps, il fallait que je vous parle d'un film, mais je ne sais plus le nom du film. C'est. Je ne sais plus. De toute façon, je vais vous mettre l'affiche là. Si je retrouve le nom du film. J'ai adoré. Hier, on a regardé un film. Enfin, on a regardé 2 films hier. Mais l'autre. Je ne sais même plus si on parle de quoi, mais. Voilà. Mais le deuxième, j'ai beaucoup adoré. C'est moi qui l'ai choisi, c'est pour ça. On va suivre Kev Adam. Dans l'histoire, il est youtubeur très 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 mondialement. Il va arriver à un, je sais plus les millions, je sais plus combien, mais il va arriver à un stade où il va faire sa vidéo des 100 000 abonnés, je pense que c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Je vous mettrai, c'est HIDO, je crois que c'est un truc comme ça le nom, mais je ne suis pas sûre. Il faudra que je regarde sur. Je vais regarder après pour vous montrer les images. J'ai beaucoup adoré cette histoire. On va le suivre. Ça va être. Je sais plus son nom, mais il va partir de Lama. Parce qu'il a fait un truc avec des lamas. Et du coup, il va partir. Enfin, c'était une chaîne pas connue. Et grâce au truc de Lama, il a fait un grand machin. Il passe sur toutes les chaînes de télé, le journal et tout le bazar. Et tous les acteurs qu'on voit dans ce film, c'est des connus. Il y a eu plein de monde. Ah oui, mais je ne peux pas regarder ici sur l'ordi de monsieur. J'essaierai de vous montrer ça tantôt demain, gros max demain. Parce que demain, j'ai plein de choses à faire. Au PC du moins. J'ai adoré cette histoire. Il a une copine, quelqu'un qui l'aide pour monter ses vidéos et pour filmer, mais franchement, lui, il m'a fait rire du
tout long de cette film. Il est trop marrant. C'est lui qui met le petit punch dans ce film. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais franchement, je sais pas qui c'est qui joue cet acteur, mais franchement, j'ai adoré et je vous conseille de le regarder. Je l'ai regardé en streaming, je ne l'ai pas trouvé sur ni. Mais je vous montrerai la photo, vous pourrez le retrouver. Voilà. Et si vous ne le trouvez pas, vous me faites un message sur Insta et je vous dirai, je vous donnerai même le lien si vous voulez. Voilà. Je vous mettrai la photo là. Elle sera déjà normalement quand je vous dis ça. Voilà. Si je la trouve, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Journée assez remplie. Demain aussi, demain levé tôt. Demain, troisième dose de vaccin. On croise les doigts que mon corps va bien s'y faire parce que je vois que beaucoup sont un peu KO, fatigués. Pas malades, mais juste fatigués. Voilà. Et du coup, ils se reposent beaucoup pendant 2-3 jours. Moi, j'ai pas envie. Voilà, j'ai vraiment pas envie. Enfin, si je suis pas dans mon état, je lirai. Je pourrais peut-être finir mon livre demain comme ça. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et du coup, pour les petites réceptions du jour, je suis trop contente d'avoir un blacking dans mon truc. Il faut par contre qu'il ne reste pas longtemps. Ça, c'est ok. J'ai peur, je sais pas si vous voyez, mais j'ai peur de l'ouvrir plus et d'abîmer la tranche. Comme elle est belle. Ouh, elles font fait pas la même couleur. Peut-être si. Ouais, comme ça, elle vous donne plus ou moins la même couleur. C'est vrai que c'est les lumières qui flash. Mais elle donne. J'aime bien avec la petite plume, la tranche. Voilà. Et il a un peu morflé. Je sais pas si vous allez voir. Je le touche. Voilà. Il a un peu morflé là et là. Mais je me suis dit que je vais mettre un truc dessus. Lourd, il va se retasser. Voilà. Je vais. Voilà. Je sais pas dans. Retrouvez-nous dans le roman sur Blacking. Dans quoi il est. S'il y a une romance ou c'est que de la fantaisie. Je ne sais pas dans quoi il est classé. Il faudrait que je me renseigne quand même. Et je crois que c'est en 2 tomes, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Mais il me tente beaucoup. Et celui-là, j'ai un doute aussi. Si c'est. Mais je viens de regarder. Lui, normalement, c'est juste un seul. Je pensais que c'était un petit entre deux bouquins, mais non. Voilà. Et c'est assez bien aéré pour lire. Là, c'est vrai que je vais vous montrer une page où il n'y a pas beaucoup de texte. Regardez, c'est vraiment bien aéré. Ça peut aller vite. Je pense que celui-ci, à le gros 2 jours, je peux le lire. Du coup, il est dans mon planning du février. Je pense que je vais le mettre. Voilà. Et je vais continuer celui-là. Et j'ai mes bébés qui sont pas trop bien aujourd'hui. Du coup, voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends plus tard. Je suis fatiguée. Oh, il y a un coup de pompe là. Il est midi. Enfin, il est ouais, presque 1 heure maintenant. C'est pour ça que j'ai un coup de pompe. J'ai pris ma douche, j'ai fait beaucoup de choses. J'attends que la machine se termine pour la mettre sécher, remettre une deuxième machine. Comme ça, tous mes linges seront faits. Et je serai tranquille pour cette semaine, en machine du moins. Faudra attendre vendredi pour avoir du linge. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais aller bouquiner. Allez, bisous, bisous, bisous. Bonjour, Mathilde du sol, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Un peu fatiguée là maintenant. Je vous prends tard, il est 6h. C'est ça? Il est 6h et on est mardi le 18. Mardi 18, on est mardi. Oui, mardi. J'ai un doute. On est mardi 18. Ma journée est bien commencée. Enfin, c'est soirée maintenant parce qu'il est 18h. J'ai passé une bonne journée. Troisième dose de vaccin ce matin à 8h30. Tout s'est bien passé. J'ai pas eu de problème pour ceux qui poseraient la question. Pas de problème, pas d'effet. Rien du tout. Et à 12h30, j'étais au sport pour vous dire. J'étais au sport, ça s'est bien passé. De 2h30 à 4h, j'ai mis 1h30 au sport. Je sens qu'on peut pas faire plus, du coup, voilà. Et avant ça, j'avais passé chez Trafic.
Parce que je suis arrivée un peu plus tôt que prévu, du coup, j'ai dû faire un tour chez Trafic et j'ai trouvé un livre à 5 euros. Du coup, j'ai pas prié pour le prendre. Ego, Manisa de Evika Land de chez Hugo Roman dans la collection Nous Romans. Et j'ai même pas lu le résumé, j'ai vu 5 euros. Je me dis pourquoi pas. Je viens de regarder les avis sur BookNote et Livradic. Il n'y a que des bonnes notes. Du coup, je me dis pourquoi pas. 5 euros. Il en vaut 17. Voilà. Je suis gagnante dessus quand même. Du coup, voilà. Et j'aime juste la petite phrase que. Il y avait deux petites phrases que je voulais partager un bureau, puis partager sa vie. Et l'autre, c'est ils n'ont rien en commun. Connu, mais ils vont devoir partager un bureau. Voilà. Du coup, si je comprends bien, ces deux personnages qui vont devoir suivre, se supporter dans un bureau. Voilà. Ils me tentent bien et j'aime bien le monsieur tout nu. J'en ai pas beaucoup. Non, des torse-poils, non. Je n'ai pas beaucoup de torse-poils. Voilà. Mais du coup, voilà. 5 euros. Voilà. Et sur ma lecture en cours. Qui est toujours en cours. J'arrive, je suis au 27 chapitres. 27 chapitres, j'aimerais bien le terminer. Voilà, il me reste pas mal de. Voilà, ça va terminer. Voilà, je vais encore bouquiner ce soir. Demain, ça va être compliqué. Peut-être demain après-midi. Dégage. Peut-être après-midi, bouquiner un petit peu après-midi demain, mais au matin, c'est pas possible. Jeudi, ben, j'aurai quand même du travail à faire chez moi parce que voilà, aujourd'hui j'ai pas été beaucoup chez moi et puis je me suis reposée au matin. Et après au sport, 4 heures je suis rentrée, j'ai très 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 mal à mon genou, mais ça je le sais, je m'en doute. Vous savez, j'ai une déchirure, non, c'est pas une déchirure, une. Moi c'est ça, une déchirure au genou. Non, c'est pas une déchirure, c'est pas une déchirure. Je ne sais plus le terme, enfin, soit j'ai un truc à mon genou et c'est à vie, du coup, voilà. Une fissure à mon genou, voilà. Faut que ça m'arrive. Du coup, voilà. Bon, du coup, j'ai envie de le terminer parce que j'aime beaucoup l'histoire. Maintenant, je sais que c'est en plusieurs tomes. Du coup, ça me fait un peu chier parce que j'ai pas le tome 2 dans la ici sur la main. J'espère que ça va pas se finir mal ou voilà. Du coup, voilà. Woody, vous voulez pas un chat? Un chat fatigué. Du coup, ben, de toute façon, j'aurai pas le crédit de le lire tout de suite. De toute façon, le tome 2, comme je suis dans l'appel de Mariette. Enfin, le défi avec Mariette. Du coup, voilà, je lis les livres là. Enfin, je sais pas si je vais. Enfin, j'en ai un qui me donne trop, trop, trop envie là de lire. Et du coup, il est pas dans l'appel de Mariette. Enfin, le défi de Mariette. Du coup, je ne sais pas si je le lis avant ou j'essaie de résister. Voilà, je sais pas, on verra ça. Voilà, je sais pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Là, je suis occupée à cuire, vous voyez, ça va cuire ma viande. Monsieur est parti chercher des frites à la friterie. Offert viande et frites aujourd'hui, j'ai pas envie de me casser les pépettes. J'étais au sport avec mon beau sac là, j'ai mis tout dedans, c'est facile, voilà. Sur ce, j'ai plus rien à vous dire, je vais vous laisser et je vous retrouve justement demain. Voilà, parce que demain, je dois aller en France. Il y a 15 jours maintenant, j'avais été avec mon papa. Samedi, j'avais été retourner avec mon chéri, mais j'avais pas ce qu'il fallait, du coup, voilà. Mais j'avais retourné en France et en fait, j'ai vu que enfin, mon papa avait acheté des écouteurs sans fil et dans la boîte, il y avait rien. Et du coup, samedi, j'ai retourné avec mon chéri, on a regardé chez Jiffy et en fait, les boîtes sont vides. Et du coup, c'est un oubli de leur part. Ils ont oublié de mettre les écouteurs dans la boîte. Du coup, on retourne demain. Parce que moi, je n'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Du coup, je vais être obligée de demander à droite, à gauche pour me reconduire. Et mon papa n'est pas là non plus. Du coup, voilà. Du coup, c'est ma tante. Je vais aller avec ma tantine. Jusque là, on va aller voir si on peut me les remettre. Logiquement, oui. On m'avait dit oui, samedi, pas samedi. Du coup, voilà. Ce samedi, si je suis pas là non plus, j'ai plein de choses à faire. Voilà, sur ce, voilà. Et du coup, je vais aller voir pour ça. Puis ma tante allait voir quelqu'un en France, du coup, c'était l'occasion. Et voilà. Du coup, bah, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser et je reviendrai plus tard. Voilà, parce que là, je vais aller voir ma viande. Les monsieur va plus traîner à arriver non plus. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Aujourd'hui, on est jeudi 20.
Je reviens dans le vlog. Je vous ai pas pris mercredi. Parce que, comme je vous avais dit, je pense, mercredi, j'étais en France. J'étais pour les écouteurs de mon papa. Parce que, en fait, on avait acheté la semaine d'avant. Il avait acheté des écouteurs, mais il n'y avait pas d'écouteurs dans la boîte. Du coup, on est retourné pour demander pour les récupérer. On nous les a donnés sans problème. Du coup, voilà. Du coup, j'ai passé la journée, grosse partie de la matinée en France. J'étais chez une amie de ma tantine, comme c'est ma tantine qui m'a conduit et qu'elle habite du côté de la France. On a été lui dire coucou et bonne année. Voilà, tant qu'on était. Et puis, on a démangé. Je suis rentrée, il était 3h. Et puis, monsieur est rentré et j'avais absolument envie de terminer mon bouquin. Il me restait moins de 25 pages, un peu plus de 25 pages. J'avais trop envie de le terminer hier soir, enfin hier à 3h. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai bouquiné jusqu'à 4h, 4h30. Et puis, j'ai fait à manger à monsieur et je l'ai terminé un petit peu vers 6h, 6h30. Je dirais plutôt 6h30 avant que ici tout commence. Du coup, déjà, vous savez pas lequel que j'ai terminé, c'est celui-ci. Voilà, enfin, vous vous en doutez parce que vous l'aurez vu déjà dans le... Voilà, je l'ai terminé, c'est une pipette. Une pipette. Je ne l'ai pas encore rentré. Ah oui, il faut que je le rentre sur Book Note et Livre Addict. Que je vais faire ça après. J'ai adoré. J'ai mis un 5 étoiles dans mon bouquin, moi. J'ai adoré les personnages, l'intrigue, la famille, tout ça. Je vais fermer le rideau parce que là, vous voyez, j'ai vraiment... et ça m'ennuie. Je reviens. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus le soleil. Maintenant, c'est de par là, mais ça, je ne sais rien faire. Du coup, je l'ai terminé. Je vous disais que c'était une pipette, c'était un trésor. J'ai trop envie d'avoir le tome 2. Je vais me procurer le tome 2 le mois prochain, début du mois prochain. Je vais me le procurer parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Du coup, on va suivre, j'ai déjà plus de son nom, Malone et sa petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, de 6 ans. Voilà. Il passe sa vie à... Enfin... Il vit pour sa fille, voilà. Et du coup, hein, il travaille. Au début du roman, il a un travail. Sauf qu'il demande à son patron de prendre un demi-jour de congé. Je crois que c'est un truc comme ça. Comme c'est dans le début, voilà, je ne sais plus. Mais le patron n'est pas d'accord. Et du coup, il quitte son boulot. Et le patron lui dit que s'il quittait le boulot, il est licencié. Du coup, c'est ce qu'il est. Il est licencié. Et du coup, il se retrouve sans boulot, mais il va rencontrer une femme qui s'appelle Sarah. Ça, quand le destin met Sarah sur sa route, c'est ça qu'il dit sur là. Et cette Sarah, c'est une fille aussi que j'aime beaucoup. Au début, je me dis, non, ça va être une... Je ne peux pas dire le mot. Des gros mots, voilà. Je n'ai pas... Au début, je ne la mets pas. Mais... En continuant de lire, j'ai beaucoup apprécié cette femme. J'ai adoré cette Sarah qui va beaucoup l'aider. Elle va beaucoup aider Malone dans sa quête de retrouver du travail. La quête de la famille. J'ai beaucoup aimé. Et alors, les autres personnages qu'on suit, le frère, la maman, le tonton de la petite, enfin son frère à Malone, tout ça. Oudi, excusez-moi de crier, mais c'est mon chat qui fait encore des bêtises. J'ai beaucoup adoré cette histoire. La plume aussi, ça se lit, mais à une vitesse. Comme je dis, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, et c'est ça aussi. Mais c'est fluide, ça se lit tout seul en fait. J'ai lu dimanche passé une grosse partie du bouquin tout seul, ça se lisait. Ça se dévore, c'est une pépite. Pied Martin, c'est une pépite. Il faudra que je la suive du coup. Voilà. Mais le tome 2 à se procurer bientôt. Voilà, parce que pour le moment, je ne vais pas aujourd'hui. Et du coup, après, j'ai dû choisir la nouvelle lecture. J'avais mis un sondage sur Insta.
qui a été mitigé. Quand moi je l'ai vu, c'était 2-2. J'ai vu ce matin que c'était changé. J'avais, quand même, je vais vous mettre les deux comme ça. J'avais mis celle-ci en sur Insta et celle-ci. Ça s'est fait 2 et 2. Du coup, voilà, j'ai choisi hier de moi-même. Et aujourd'hui matin, c'est celle-ci qui ressort. Mais le problème, c'est que c'est pas celle-là que j'ai choisi, c'est celle-ci. Du coup, je vais lire celle-ci et après cette lecture, je lirai celui-là. Voilà, c'est comme ça. Audi et Zoé, j'ai lu 32 pages hier soir après avoir fini celui-là. À 8h, 8h30, j'ai lu celui-ci. Je peux pas trop vous en dire parce que là, en fait, ici, au début de... Je sais pas le dire le nom par contre, ne me demandez pas. On va suivre cette jeune femme qui a un peu rompu... Enfin, c'est le... Attendez, je reviens, je vais m'énerver. Bon, je disais... je ne sais plus ce que je disais du coup. En fait, on va suivre au début un petit couple qui vont se séparer. Le garçon va partir et elle va faire un petit peu... va continuer sa route. Et... Et ici, elle va repartir chez son frère, je sais plus le nom. Brunette. Un pays, un autre pays, on va dire ça. Comme ça, on va pas se tromper. Et chez son frère, quand elle va arriver, il est en location avec quelqu'un. Un jeune qui c'est son coach, en fait. C'est un des élèves qui coach pour pas qu'il recherche plein de trucs, qu'il l'a fait venir chez lui. Et quand elle va rentrer, elle va rencontrer son copain. Enfin, son ancien copain. C'est pratique pour faire peur au chat. Du coup, elle va retrouver son ex-copain. Et voilà, je ne sais pas plus. Je vais... lire ça tantôt, mais vous avez vu, il fait quand même un gros pavé et il fait 626 pages. Il est fameux et j'aimerais bien le bouquiner, le terminer très vite, mais c'est encore très dur ce week-end. Samedi, je ne vais pas le lire, enfin peut-être un petit peu en soirée, mais je suis pas sûre à 100%. Dimanche peut-être, ça dépend si on part ou pas en convention ou pas. Mais voilà, il me tente beaucoup, 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 beaucoup. Comme celui-là me tente beaucoup. Beaucoup aussi. Voilà, j'en ai un. Mais c'est pas possible, hein ! Bon, je reviens, je vais régler ce compte parce qu'il continue. Qui veut un chat qui est fatigant, qui est toujours en train d'emmerder sa soeur ? Voilà, du coup, je disais, on va essayer de bouquiner ça. Mon chat qui recommence aussi. Voilà, 32 pages. Je suis restée en plein milieu d'un chapitre, je pense. Ouais. Bon, en fait, j'ai cru que c'était la fin. Vous voyez, vous avez comme ça. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est la fin du chapitre. Et du coup, après, quand vous retournez la page, non. Et gardez mon beau marque-page. Voilà. Du coup, ouais, on va lire ça. Là, je vais vous le laisser. Il est 1h. 1h20. Je vais me manger. Je vais me faire une petite soupe avec quelques biscottes. Voilà, je vais manger ça. Et je vais peut-être mettre une petite série en même temps et après je bouquine. Voilà, parce que manger, j'ai qu'à plucher les patates. Tout et le reste est prêt. Woody, arrête tes bêtises. Et voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Bah hier, à part ça, j'ai pas d'autre chose. J'avais bouquiné un peu dans l'auto. Enfin, ma tante, elle a été, c'est pas à la pharmacie. Alors elle devait aller pour ses lunettes. Et là, on en a entendu un quart d'heure dans l'auto. Du coup, j'ai pris le temps, j'ai lu, je crois que j'ai lu un chapitre sur un quart d'heure. Du coup, j'étais contente d'avoir déjà avancé dans le bouquin. Il me restait vraiment pas grand-chose hier. Il me restait 3-4 chapitres. Et en plus, j'aime bien la façon de l'écrit. Comme ça, j'aime bien. Il y a une autre façon que je suis pas fan. Comme ça, ça, je suis pas fan du tout. Quand c'est tout tassé comme ça, mais ça passe, hein, je le lis, c'est pas ça, mais... C'est un truc qui me fait putain, encore trop, il y a trop, c'est trop tassé en fait, il n'y a pas de petits tirets là quand vous, je voulais vous montrer. Et regardez, je vous montre la page avant,
Vous voyez, ça c'est tout joli, c'est avec des petits tirets, et là vous avez tout bloc. Un bloc. Ça fait bloc. Oh, allez, c'est la pasta que je voulais. Très bloc. Ouais, ça fait pas. Là, bon, là ça va, mais là ça fait un bloc. C'est, je suis pas fan comme ça. Voilà. Voilà. Ça fait déjà le deuxième livre dans mon challenge, enfin mon défi avec Mariette. J'entame le troisième livre. Elle aussi, elle a son troisième livre. Voilà. Et si ce chat n'arrête pas aujourd'hui, je vais le coincer quelque part, le bloquer, l'enfermer, je sais pas, mais il me fatigue, j'en ai déjà marre. Et ce matin, j'ai fait un petit peu de nettoyage. Un petit peu de nettoyage, du rangement. Et voilà. Sur ce, maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller manger ma petite soupe et mes petites cracottes. Et mon petit chorizo. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. Bonjour, Mathieu du Sol. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut s'entendre pas trop bien. Je vous ai pas mis le vlog samedi. Parce que j'ai été malade vendredi toute la journée, j'étais couchée, j'ai fait que dormir. Et samedi, j'étais vraiment pas bien. Et en plus, samedi, normalement, je devais pas être chez moi, je devais partir chez la grand-mère de mon copain. Et mais comme j'ai été malade et que j'étais vraiment pas bien, j'ai préféré rester chez moi et me reposer. C'est ce que j'ai fait. Je me suis reposée tout mon samedi, mon dimanche. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le vlog. Mais c'est pas grave, on aura une semaine de décalage à partir de maintenant. J'étais en train de monter le vlog comme quoi j'ai vu que j'avais pas fait la fin du vlog. Du coup, je viens pour conclure ce vlog. Je n'ai pas avancé dans mes lectures. Enfin, un petit peu. Je vais vous montrer. Je vous avais dit que j'étais dans celle-ci. J'étais à 32 pages. Je suis à 52 pages. J'ai pas lu grand-chose depuis ce moment-là. Voilà. Mais je vous dirai quoi. Tout ça dans ce vlog qui je vais ouvrir juste après. Avant ça, il faut que je mette à charger parce que je suis en batterie rouge. Enfin, ma batterie clignote. Du coup, voilà. Je vous en parlerai plus tard. Sur ce, moi je viens conclure le vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous bisous!